Salut, je suis Daniel San et j'incarne le rôle de pivolet dans la série Madame Monsieur. Hello, hello mes braves, ici Muriel Blanche, j'incarne le rôle de Passy dans la série Madame Monsieur. Bienvenue sur Move Magazine. Quand vous nous regardez là, est-ce que ça ressemble à l'amour? Je crois que je peux continuer ma vie avec une femme comme ça qui passe son temps à me persécuter. Je peux pas. Ah, toi, c'est moi qui persécute l'autre. Ouais, moi, il parle à la caméra. Bref, vous êtes en train de voir de vous-même. Ça ne peut pas. C'est le villageois, si comme il vous dit qu'il est recteur là, c'est lui qui est en train de crier devant. Moi, je demande aux enfants d'aller dormir, d'aller sucer les bonbons dans la chambre. Mais lui là, avec son front qui est rouge comme la banane mûre là, c'est toujours lui qui crie. Il entre pas si, devant les enfants, c'est lui. Après, il va dire que je suis recteur au rang de ministre. Mon œil. Je voulais parler, je parle. Vous voyez comment l'argent peut transformer les ingrats dans la vie? Non, mais c'est lui, c'est la représentation parfaite de l'ingratitude. Et vous pensez que moi je vais faire quoi? Vous croyez que je vais faire quoi? Un homme comme ça? Moi j'ai besoin d'un homme, un vrai. Pas les hommes que la richesse a surpris il y a de cela un an. Oh. Et puis maintenant ils vont parler mal à ma famille. Je rectifie une chose, je n'étais pas pauvre, j'étais fauché. C'est quoi la différence entre les deux? Explique. La pauvreté, c'est très extrême. Oui. Voilà, j'étais fauché. Donc. Tu vas pas parler. J'ai payé tes études dans ton fauchement. Mais je suis un intellectuel. Si je n'étais pas un intellectuel, tu n'aurais jamais. Je vois ça dans tes agissements intellectuels, mon œil, oui. Écoutez très bien. C'est le recteur Pivolet qui vous parle de l'université de Douala Est. Lorsque vous avez une femme qui n'est pas capable de vous soutenir, de vous soutenir même à travers votre statut, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit il y a de la compétition, soit il y a du manque de respect. Les deux choses l'une. En tout cas, ça ne passe pas chez moi. C'est pour ça que vous voyez toutes ces étincelles-là. Et elle ne supporte pas. Bon, ouais. quand on parle d'une femme qui ne vous soutient pas, une femme qui a payé tes études, qui t'a trouvé du travail, une femme qui t'a habillé, qui t'a nourri, qui t'a logé dans la maison que son père a construite pour elle et lui a donné comme cadeau de mariage. Maintenant, tu te permets de dire ça parce qu'aujourd'hui, tu es recteur de Pacotille. Tu te permets d'insulter ma famille, de m'insulter moi avec et mon éducation avec. Il n'y a aucun homme sur terre qui peut te supporter. J'étais le seul et je mérite un Oscar pour ça. C'est ce qu'on verra dans la saison 3. Il y a la sorcellerie. Voilà. Vous savez que nous les Africains, on n'est rien sans la sorcellerie. Les gens réclamaient la sorcellerie et on a mis la sorcellerie. Moi, je vais vous remarier, je vous dis. Parce que je suis un homme respecté et respectable. Voilà. Et je ne peux pas faire ma vie sans une femme à côté de moi. Donc, je vais me remarier. Oui, tu seras ton quantième mariage. C'est pas un problème, le nom. Pour passer, il n'y a pas vraiment grand-chose. Mais on a plutôt approfondi son personnage. Donc, on voit quelqu'un qui est vraiment altruiste, qui pense aux autres avant même de penser à son propre bonheur à elle. Et je pense que c'est un personnage qui est assez atypique, qui est vraiment disponible pour tout le monde et prêt à tendre la main à tout le monde, même à ses ennemis. Voilà. Donc je pense que cette série est vraiment pleine de rebondissements pour les autres, mais Passim est un peu plus dans le fond de l'humanisme. Voilà. Moi j'avais un personnage qui était obligé d'évoluer au fil des saisons. Compte tenu de mon rang social, parce que la première saison j'étais un simple professeur et je quitte de professeur à recteur, donc il fallait que l'ascension se fasse au niveau de la gestuelle, au niveau de la façon de s'exprimer et surtout au niveau du physique. Voilà, donc si vous regardez la première saison et la deuxième saison, c'est pas du tout le même profil, donc ça a été ça mon challenge. Je pense que jusqu'ici je peux être fier de ce que j'ai fait, même si c'est pas à 100%, mais il y a quand même une bonne moyenne. Donc, voilà. Mais au niveau de l'état psychologique, c'est le même, puis voilà, reste égal à lui-même. Voilà, toujours focus sur les études, sur la bonne éducation et surtout sur la stabilité familiale. Ben écoutez, depuis le début de cette aventure, surtout les Ivoiriens ont suscité beaucoup d'attention et beaucoup d'engouement autour du projet. Et nous sommes d'ailleurs très 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 reconnaissants par rapport à ça parce qu'on sait que sans vous, on ne serait pas à ce niveau. Donc c'est une très grande fierté, une très grande satisfaction. Sachez que la force vient de vous et à travers vos soutiens, vos mots d'encouragement, on trouve toujours le moyen de pouvoir aller un peu plus haut. Voilà, on s'est battu comme on pouvait pour vous concocter cette saison 3. On espère que vous allez adorer comme vous avez aimé celle de la saison 2 et de la saison 1. Rendez-vous le 15 juillet à ne pas manquer sur la chaîne. A plus et à plus Ivo. Alors comme mon ex-mari l'a dit, on vous doit beaucoup et
on est vraiment reconnaissant par rapport à tout ce que vous nous avez apporté. Vous nous apportez un amour inconditionnel tous les jours. Et le moins qu'on puisse faire, c'est vous le rendre en vous transmettant des émotions. Et donc, mon ex-chéri et moi, on vous envoie plein de bisous. Quand je le touche comme ça, son sang se glace. Il va faire comment? Il va faire comment? Faites profit des caméras.